Allez, la rando des petits. C'est parti, mon Guégué. Comme chaque début d'année, les meilleurs cyclistes de l'Ouest se rassemblent. C'est la combienième rando du coach? 14-15 à peu près. Et le casque? Mince, j'ai pris un bonnet rembourré. Un bonnet en Kevlar. Le soleil se lève alors qu'il se couche en Australie. Est-ce qu'il y a déjà eu des randos? Non, des années sans rando du coach. Le Covid, on l'a pas fait. L'année du Covid. Ah, j'ai posé une question. Ah, si. Où tout le monde n'est pas d'accord. Non, si on l'a fait tous les mois de janvier, elle était faite. Tous les mois de janvier. Oui. 3,9 degrés. Un peu froid pour un poisson clown. J'ai froid au doigt. C'est drôle ça. C'est de la poésie. Tu sais que c'est toi qui as le plus de plateaux parmi nous. Deux plateaux, non? Si, deux plateaux? Pas bah, trois quand même. Ça existe plus trois plateaux. Ça existe plus. J'ai une blague à faire aussi sur le tout rigide. Est-ce que tu sais pourquoi je roule en tout rigide? Non, je ne sais pas. Parce que ma femme me dit qu'elle aime bien quand c'est tout rigide. Oh, la belle blague. Elle est bonne ou pas? Je la garde ou pas celle-là? Je vais la demander au... Le long de l'aéroport. Bon les gars, est-ce que vous savez pourquoi je roule en tout rigide? Oh, mais ça c'était sur les vidéos là. C'est une vraie question. C'est parce que ma femme, elle me dit qu'elle aime bien quand c'est tout rigide. Tu veux pas mettre ça sur ta vidéo quand même? Ah, tu vois, tu veux pas que je mette ça? Eh. Oh, non. Jeff, il veut bien que je la mette celle-là. Et Fix, tu veux pas que je la garde cette blague sur la vidéo? Du tout rigide. Oh. Bah oui. Un appareil photo Kodak. Mouton, mouton. Qu'est-ce que vous faites là, vous? Allez, chut. Allez, rentrez chez vous. Rentrez. Une belle image Jeff avec des moutons. J'aime pas ça. Ouais, surtout en plus, t'as des mollets à l'air. Oui. Et mes mollets sont appétissants. Branche dans les rayons. Tron par-dessus. Ah, je me tâte. J'ai peur pour mon derrière. Cheval qui court. Et Fix, ça y est, elle est prête pour la transvolcanique. Et direction le Puy en Octel, sur les traces de la bécane à boug. Ça drift. On va se prendre un petit cocktail ou faire du piano. À Gravel, ça passe tout seul là-dedans parce que t'accroches le fond du chemin. T'as loupé. J'ai loupé la chute de Jeff. Note à moi-même, toujours se mettre derrière Jeff. Oh. Moi je suis malin, je descends pas. Bah oui, c'est idiot de descendre pour remonter. Il n'entend pas, il a un casque. Saul, le chemin des canotiers. Passerelle, petit pont. Petit pont, grand pont. Et but. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce qu'un canotier? Ouais, je vais demander à quelqu'un qui sait. Mais dis-moi, Jamy, qu'est-ce qu'un canotier? Canotier? Un canotier, on est sur le chemin des canotiers là. Je sais pas. C'est un chapeau? Si, c'est un chapeau, bien joué. Bonne réponse de Jeff. C'est pas plutôt un étier, ça. Un quoi? Un étier. Un étier? Ah. Qu'est-ce qu'un étier? C'est un petit canal. Un petit canal. Dans les marais. Dans les marais. Je crois. Bah, je vérifierai. Ah, un nouveau petit loup. L'arbre à singe. La passerelle inondée. The flooded passerelle. Du coup, est-ce qu'on peut appeler... Est-ce que c'est une passerelle, ça? Non, c'est un chemin. C'est un pont ça? Comment ça s'appelle? Un passage à gué? Ou j'appelle Jamy? Allez, pique-nique!
Eh là, pique-nique, là, on serait bien, là. Je vais envoyer un petit bisou à ma chérie. Vas-y, assis. Ah. Oh, bonjour, monsieur. Bonjour, madame. La Roche-Balue. Bonjour. On lui laisse trop d'avance, là. On pourra jamais le rattraper. Ça se trouve, c'était Van Hart déguisé. Bon, FX, t'as fini de mettre la misère? Dans 5 ans, je suis mort. Ah oui, c'est ce que je me demandais. J'aurais parié qu'on aurait fait une pause ici. Alors mon arbre est toujours là. Je me demandais, est-ce que c'est la branche qui est de plus en plus haute ou est-ce que c'est moi qui me fais de plus en plus vieux? C'est peut-être la première année où je vais pas monter dedans. Ouais, j'ai vieilli là. De toute façon, t'as pris du poids, non? Ah, ça sera coupé, ça. Ah, tu veux faire ça assez manger, après manger? J'ai amené du surimi. Aux ailes et fines herbes. C'est des cigoulis. Ah bah oui. De la vraie marque Lip. J'ai déjà. Bonjour. Bon, on répond à la question que tout le monde veut depuis savoir. Combien de temps on vient ici? Non. Qu'est-ce que les petits? Tu connais pas ça? Non, c'est ma petite chérie qui a fait ça. Ah, ouais, ah ça oui, c'est ah ouais, Energy ça Balls. Ça doit être bon, ça. Ouais, c'est super bon. Donc tu voulais savoir depuis quand on vient ici? Ouais, aussi, ouais. Ici, on vient ici depuis 2009. 2009? Depuis 2009. Moi j'étais pas là, vous connaissez pas moi en 2009. Non, toi t'es venu ici la première fois, je vais te dire ça. T'as tout noté là? Ah, t'as toutes les photos de sur notre arbre. 2014, est-ce que t'étais là? Non, et t'étais moi, les pas deux là. Premières années, t'es pas dans l'arbre. Ouais, je suis peut-être là, en là, non? Là? Là, tu commençais, tu vois. Hein je suis monté dans l'arbre en 2016. 16. C'était pas tout un vrai petit lieu encore. Il y a des gens que je reconnais pas là. Si, c'est Johan. Il y a Johan. Stéphane. Stéphane. Bon, Rémi, Rémi qui est là. Ah c'est Rémi là. Rémi là. Là vous étiez que trois en... 2017 t'étais encore là-haut. Encore un petit peu plus. Si, un petit singe en 2017. Ah je sais pas, comment il s'appelle lui déjà toi? Peter. Peter. Tu te souviens de Peter? Oui. Tiens regarde, on va recruter des petits lus là. Oui. Bah, c'était une plateforme de recrutement ici. Bonjour. Bonjour. Bon c'est quoi les petits lus? Les petits lus... C'est un club? C'est une asso loi 1901. Non. Il fallait un nom d'équipe pour s'inscrire. Non. C'est venu parce qu'en fait, quand j'étais gamin, j'habitais à Malakoff, à côté de Sopin. Et qu'est-ce qu'il y avait en face? Marcel Sopin. Non. Il y avait la l'usine. La Tourlue. La Tourlue. Et ils faisaient encore les petits lus là-bas. Mais. Et 40 ans plus tard, après, tu sais où j'habite? À côté de l'usine, toujours. Donc voilà, c'était peut-être un signe, tu vois. Un signe du destin. Ah, d'ailleurs, tu as amené des petits. J'ai eu un signe aussi l'autre jour sur un plan d'eau. Est-ce que c'est une secte? Non, c'est rien du tout, c'est simplement un groupe. On était quatre, on a... Non, ouais, c'est simplement... Oh mince, moi je être dans une secte. Non. La définition, c'est sur la page Facebook. Mais ça, t'es le fondateur. Oui, merci. Ouais, ah, c'est... Bah, les faits sont modestes. Ouais. Francis, et toi, c'est quoi ton rôle? T'es trésorier, secrétaire? T'as rien. J'ai eu mal à t'es suivre. T'es mal à suivre. Le deuxième fondateur, c'est le deuxième fondateur, Yvan. Yvan, le coach. Le coach. Ah, oui, j'ai amené l'équipe au firmament. Et notre guide sur les rando touristiques de janvier. Ouais, et après, ça se calme après. Et François Xavier, c'est le dernier venu. Hein. Ouais, le petit ouais. Bébé. Voilà. Petit genou. Puis je sais toujours Yvan, mais c'est pas facile. Ouais. Petit jeune. Tu sais pourquoi on l'a recruté? Parce que. Le jour, il passait en bas. Parce qu'il nous fallait un bouche-trou. Tu passais en bas? Ouais, tu passais en bas. Et puis c'était pour aller rouler à. Non, et j'ai vu ta trace sur Strava, je sais pas pourquoi. Bien, ouais. Bien, ça a l'air d'être un gars, quand on veut. Après, l'histoire des petits lus. On renaît à Cordemais, là. Et il manque qui aujourd'hui? Seb. Seb qui était. Qui est aussi, qui fait partie du début. Seb et Rémi. Qui est pas là depuis 5 ans. Bah, il y en a beaucoup qui manquent. Il y en a beaucoup qui sont partis. Qui ont fait autre chose. La roue tourne. Recruté par d'autres équipes. Quand t'es recruté, ouais, on a un. Quand t'es débauché. On l'a fait deux fois. Tu nous as préparé quoi là, Yvan? Là, c'est du thé. Du thé à quoi? À la menthe. À la menthe. Je voulais mettre du miel, mais j'ai eu une petite réflexion qui m'a pas plu. Ça sera Wallou pour le miel. Elle a pas mis son miel pas aimé. Dans la boue. Et déjà les pneus. Je suis tombé. Petite Energy Balls de. Tu sais, ils sont au-dessus de notre fan numéro 1. J'ai voulu échanger un peu. De, hyper bon. Pourquoi il y a un petit. Une tache là. Allez, attention, ça clignote. J'ai la diarrhée. Restez pas en dessous. Il y a les plus.
C'est comment les Energy Balls? C'est Nif. Nif. Là, je suis obligé de me retenir, parce que non, je vais partir comme une balle. Là. Ça vient de Saint-Julien-de-Concel, le banc. Et le banc, il a toujours été là depuis 15 ans? Mais il était dans l'autre sens. Non. Est-ce que le fax est toujours valable? Non, c'est fax. Ils auraient pu mettre leur email. Chat marche, chat pousse, chat me gonfle, chat grain d'amour, chat va, chat pas cher, chat c'est pas cher, chat compte double, chat teigne, château d'eau, chat tire, chalet, chapelet, ah ok j'ai compris, chameau, chat sans la fin, pas mal. Et là-bas une fleur avec des selles de vélo, fleur de sel, chat ça me plaît. Eh, on n'avait pas dit qu'on irait au marché de Bassindre? Manger des huîtres? Eh, fixe, si t'as un dossier en retard, là, tu vas pouvoir aller au travail un peu, là. Pile le bac. Ah, mais il y a plein de piétons sur le... Sur le bac de piétons. Hey, il réserve carrément une moitié pour les piétons. Jamais vu ça de ma vie. Et toi, t'as eu ton bac? C'est gratuit le bac? C'est gratuit. Ouais, c'est payé par nos impôts. Tiens, ton miel de montagne, il vient d'ici. Ici, c'est catégorie. Col de première catégorie, voire hors catégorie. Mais FX, hein, t'es impressionnant aujourd'hui. Si tu veux, je peux parler en plus. Il est à l'aise le mec. Ça veut dire qu'il y a l'arbre. À l'aise dans la côte quoi, il est prêt pour la transvol. Ah oui. C'est ça de faire 15 km tous les jours pour le vélo taf. Ouais. Tu passes par cette côte d'ailleurs? Non. Tu pourrais? Tu pourrais. Il nous attendait lui. Si on va voir la technique de FX. Ça passe. Ça passe en tout rigide. Ça passe pas pour tout le monde, mais bon. Ça passe. Et moi je dis ça passe ça en gravel. Oh là là. Ils m'ont mis une cartouche les deux là. Et ils tournent en rond comme des vautours. Il fait semblant de pas être essoufflé. Oh là, obstacle. Pourquoi ils ont mis un arbre ici? FX connaît les shortcuts. Leia, attends. Leia. Leia. Déjà réparé. Là, tu vas trop vite à réparer. Tuto, c'était quoi en plus? C'était rien du tout. Une brindille. T'as fait semblant. Y'a du monde, hein. Y'a du monde sur les chemins. Fusée. Oh, c'est quoi ce joli endroit? Photo là, photo, photo. Le lac de Grandlieu. Vous savez comme il est grand? Ici, c'est un grand lieu. Attention, il va au milieu du lac. Tout ça, c'est pour faire des vues. Hein. Il y en a qui marche chez nous, moi je bouge. Allez pas trop loin parce qu'il y a un mètre de profondeur au milieu. Tu connais la profondeur moyenne du lac? 1m50. 1m50, j'avais vu 1m. Ah ouais? 1m, ouais. Chiche de traverser tout le lac à vélo. Faut modifier l'engin, c'est faisable. Hein. C'est pas charge. Fiche de traverser tout le lac. Ouais. Vas-y. On aurait gagné ça. C'est normal qu'il soit dans l'eau, l'arbre. Tuto. Tuto, enlever une brindille dans le mécanisme. Ouais, ça va, oui. Tiens, petite brindille. Vas-y, voir si ça roule là. Sans les mains, regarde. Allez, je vais rouler un peu dans le lac moi aussi.
I am rolling in the lake. Ah, j'étais jamais venu ici, moi. Ouais, dans ces chemins-là, ouais. C'est un peu mieux parce que t'as moins d'eau. Ouais, mais hyper, hyper joli, là. Ouais. Là, j'ai un joli plan, là, quand vous roulez dans l'eau, là. Avec le petit contre-jour qui va bien, là. Bah, ça, si j'ai pas des likes avec ça. La rando du coach des petits lus. Fin de chantier. Nombre de kilomètres très élevé. Dénivelé positif. Beaucoup, sûrement. 264 mètres. Comme si on avait gravi une montagne. T'es pas tombé qu'une fois, tu veux dire. Francis, c'était comment la rando? Roulant. Roulant. C'était bien. Bah ouais, sans plus, quoi. Bah, on va dire au coach. Coach, j'ai un brin d'herbe dans mon vélo. Tu peux l'enlever, s'il te plaît? Ouais, c'est beau quand même, le soleil derrière. Ouais. Wow. Là, je vois que je suis cadré. Hé, hey, coucou, je suis une poule. Il y a des œufs là-dedans? Pas d'œufs. Il n'y a pas d'œufs? Il n'y a pas d'œufs? Il n'y a pas d'œufs ou il n'y a pas d'œufs? Hé, hey, poupoule! C'était comment la rando? Aux petits oignons. Super, comme d'habitude. Aux petits oignons, genre mieux que chez un traiteur. On peut pas dire ça comme regarde, ça. Regarde, là, tu peux, t'as pas un arc-en-ciel là? Non. Tu fais pas bien, j'ai pas d'arc-en-ciel.